Bonsoir tout le monde, bonjour. Je ne sais pas si je posterai cette vidéo, si cette vidéo sera disponible ce soir ou demain, ou dans la nuit. Enfin, c'est un peu confus. Il faut que je fasse le montage et tout, donc ça va être un peu compliqué. J'aimerais beaucoup que cette vidéo soit disponible dans la soirée. On est le 9 janvier 2015 et il est 18h59, donc 19h. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une vidéo entre info et bilan. Donc à la base, je voulais pas du tout faire ce genre de vidéo, vidéo bilan et tout, parce que je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Et finalement, comme j'ai eu un peu une semaine chargée, et que du coup j'ai pas sorti de vidéo, j'ai pas fait de live, bon, j'étais dispo sur les réseaux sociaux, etc. Donc ceux qui m'ont ajouté ou qui me suivent, je sais pas si l'éclairage est bien par contre, hein. Ça sera sûrement dégueulasse, mais enfin bon, je vais essayer de m'arranger pour que ça soit pas trop trash, donc enfin, on verra. Du coup, j'ai une semaine assez chargée et je me suis dit je vais peut-être faire une vidéo pour expliquer pourquoi cette semaine bah, il s'est rien passé. Et il y a eu cet attentat chez Charlie Hebdo, évidemment, donc je suis obligé d'en parler. Donc. Étant donné que j'en ai beaucoup parlé déjà sur Twitter, j'ai retweeté pas mal de trucs et tout. Mais du coup, je me suis dit ça serait bien du coup de faire une vidéo expliquant ce qui s'est passé. Moi de mon côté, cette semaine, pourquoi je ne suis pas, j'étais pas trop présent sur internet. Par exemple, la partie 2 de l'aventure Ocarina of Time devait être dispo dans la semaine. Et évidemment, bah, j'ai pas pu parce que j'ai eu des examens, je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais en profiter pour parler de Charlie Hebdo évidemment. Très rapidement, et du coup je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais pas faire une vidéo de 3 minutes où je vais expliquer 2-3 merdes. Autant faire un bilan de... Alors, je veux pas faire un bilan de l'année, de ma chaîne, etc. Ça, rien à foutre de savoir combien j'ai fait de vues, j'en ai rien à branler. Je vais faire un bilan de films, un film que j'ai aimé cette année et que j'ai pas aimé. Alors, j'ai référencé pas mal de films, j'en ai peut-être oublié. Mais j'ai en tout cas écrit ceux qui m'ont le plus marqué ou plu. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai complètement zappé un truc. Et j'ai débranché mon clavier. Donc, bah écoute, j'espère que je pourrai m'en rappeler, sinon c'est pas grave. Voilà, je vais parler des youtubeurs que je suis. Toujours depuis un moment que je suis toujours, et des découvertes, des nouveaux youtubeurs que j'ai découvert cette année. Et ensuite je vais vous parler du futur un peu de la chaîne, de ce qui va se passer par la suite. Voilà. Donc on va commencer. Alors j'ai appelé ça entre info et bilan. Parce que du coup c'est entre des infos, c'est-à-dire des infos sur ma personne et sur l'actualité, et un bilan de l'année. Donc, entre info et bilan. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Donc voilà, je me suis fait un petit café parce que bon, je pense que je vais rester pas mal de temps sur cette vidéo. Au moins une bonne trentaine de minutes, je pense. Donc, la semaine, voilà, donc je suis parti chez DG. C'était quand ? Le 3 janvier. J'étais chez IDG, donc pour les connards qui ne connaissent pas, tous les gens qui l'appellent Padawam, bah c'est, appelez-le Padawam si vous voulez, appelez-le Philippe, appelez-le Tonton, faites ce que vous voulez. J'en ai rien à branler. Donc j'étais chez IDG qui m'a hébergé pour mes examens, parce que j'avais une semaine complète d'examens. Et donc voilà, donc j'ai eu des examens, je fais une licence de langue, études anglophones. Voilà. Donc j'ai eu des examens donc, sur la langue anglaise, évidemment, et deux examens jeudi et vendredi, donc hier, aujourd'hui, du coup, je viens de rentrer chez moi, là. Deux examens d'histoire, donc voilà. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook et Twitter ont dû voir la petite photo que j'ai mis de mon brouillon d'histoire d'hier, sur l'histoire moderne, les rois de France et tout. C'est vraiment une période qui me pète les couilles, rien à foutre. Et donc du coup, j'ai fait un bon brouillon et je l'ai fait un peu à l'arrache avec le cul en écrivant des merdes. Du coup, je vous ai posté la photo pour... je me dis, ça peut vous faire marrer, quoi. Voilà, alors après, bon, j'ai écrit pas mal de merdes dessus, donc voilà. Il y a peut-être des trucs faux, j'ai même pas vérifié, tellement ça m'a saoulé. Voilà, mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, surtout l'anglais, je me suis bien débrouillé, donc on verra. Donc, cette semaine, du coup, j'étais vraiment à fond en train de réviser tout, donc j'ai pas pu du tout faire de vidéos ou uploader des trucs. Alors j'ai des vidéos d'avance, hein, évidemment, mais j'avais pas pris mon gros ordi qui me sert de monta pour monter, pour uploader, etc. J'avais mon vieux Mac tout pourri, ça fait, sans déconner, ça va faire presque bientôt 10 ans que je l'ai. Et du coup, voilà, avec ce vieux Mac, je peux aller sur Internet, je peux mater des films, et c'est tout, quoi. Enfin, c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, il est démonté en 30, mais il fonctionne très bien. Donc c'est le machin que je trimballe quand je vais chez des gens, j'emmène ce vieux Mac pourri. Voilà, donc évidemment cette semaine,
J'étais chez DG pour les examens. Et donc, évidemment, il y a eu cette espèce d'attentat. C'est pas une espèce, c'est un attentat le 7 janvier, ouais, c'est ça, 2015, dans les locaux de Z Charlie Hebdo. Donc, voilà, évidemment, voilà, je rends évidemment hommage à toutes les victimes, notamment moi, les journalistes et tout, je les connaissais pas des masses, donc bon, voilà, évidemment, c'est triste, hein, c'est très triste, et évidemment, hommage, vraiment un hommage de dingue à ces gens-là. Mais moi, ça m'a vraiment touché, c'est les dessinateurs, évidemment, du Charlie Hebdo. Alors, moi, je connaissais que Cabu, évidemment, mais Charb aussi, bon, vaguement de nom, quoi, ça me dit un truc. Les deux autres, je les connaissais pas, bon, malheureusement, je vais pas dire leur nom, du coup, parce que ben, je les ai pas en tête et bon, je vais pas les chercher sur internet, mais en tout cas, je leur rends vraiment un grand hommage à eux parce que, bah, finalement, voilà, c'est des gens qui sont morts le crayon à la main, et je trouve ça vraiment triste, ce qui s'est passé. Et donc, voilà, je rends un hommage, bon, évidemment, ça sert à rien de rendre un hommage, quoi, voilà. Voilà, évidemment, je soutiens fortement la famille de toutes les victimes, mais je sais qu'ils regarderont pas cette vidéo, donc ça sert à que dalle de le dire. Mais bon, je le dis quand même, parce que, bon, c'est, voilà, il faut dire ça. Voilà, donc j'ai été très attristé par cette nouvelle le mercredi. Ça m'a vraiment, vraiment fait bader d'ailleurs, parce que j'avais aussi des examens, donc je me dis, mais putain, mais ça se trouve, je vais me faire plomber dans le métro, il va y avoir des roquettes et tout, tu vois. Et j'avais même pris du jambon, tu vois, pour, je me dis, s'il y a 2-3 arabes, je vais peut-être prendre un ou deux saucissons, tu vois, leur balancer à la gueule, histoire de faire diversion. Quoi. Bon, évidemment, j'ai pas fait tout ça, parce que bon, je suis pas un connard. Mais en tout cas, voilà, donc tout s'est très bien passé finalement. Donc c'est vraiment, enfin, en tout cas, toutes ces choses-là ont vraiment été bien gérées, parce que finalement, on n'a rien vu, nous. Donc voilà, donc cet attentat chez Charlie Hebdo, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre, hein, a fait tweeter beaucoup de connards, hein, dont moi, hein, le premier, et a fait tourner des vidéos à beaucoup de connards aussi. Ah, faut le savoir. Donc là, vous savez, vous commencez à comprendre là où je veux en venir, pour ceux qui me suivent encore une fois sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai parlé aussi. J'ai partagé une vidéo d'un certain connard qui avait fait une vidéo justement là-dessus. Hein. Voilà, de 22 minutes, où il parlait de Charlie Hebdo. Le mec, il sait même pas ce que c'est Charlie Hebdo, parce qu'il appelle ça Charlie Hebdo, déjà. Donc t'as envie de dire, mon gars, déjà, en fait, j'ai lancé la vidéo, j'ai entendu ça, j'ai fait « Allez, ta mère ». Ah, il m'a saoulé, parce qu'en fait, Charlie Hebdo, ouais, alors les Arabes, en fait, ils sont gentils. Voilà, c'était ça le début de son truc, grosso modo, quoi. Donc j'ai arrêté sa merde, j'ai fait « Bon, lui, c'est vraiment un connard, j'en peux plus ». Bibix, ouais, donc, si vous voulez savoir qui c'est Bibix. Vous pouvez m'envoyer des trolls, des dislikes et tout, bon, je vous dégagerai, hein, de toute façon, vous le savez. Voilà, bah, en tout cas, donc ce mec donc a fait une vidéo, voilà, non monétisée, voilà, ça y est, c'est le grand truc, sur les attentats. Donc voilà, moi je vais pas m'étendre sur les attentats, je veux juste parler de cette vidéo, parce que bah, je l'ai pas maté en entier, évidemment, je l'ai même pas maté une minute, quoi, c'est vraiment de la merde. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que le mec commence à parler de religion et tout, alors que le gars, il connaît pas du tout la religion de l'islam, tu vois, il connaît pas, il sait pas ce que c'est, en fait. Il voit un musulman, il fait « Ah, c'est Malikoum ?» on sait pas, tu vois. Donc ça m'a quand même fait marrer de voir cette saloperie de vidéo. Ça ne sert à rien de repartir sur le délire. Attention, ne faites pas d'amalgame, hein, l'islam radical est complètement différente des musulmans normaux, hein, de l'islam. Tu vois, voilà, ça c'est vraiment les connards qui commencent à te casser les couilles là-dessus, quoi. Tu vois, le truc basique, tu vois, genre, est-ce que tu vas... penser un jour dans ta tête qu'un mec, tu vois, il y en a sûrement, tu vois, mais la majorité des gens savent très bien que les musulmans, c'est pas des mecs qui vont faire péter des gars toutes les 3 minutes. Ah ouais, réfléchissez un peu, voilà. Donc évidemment, ça sert à rien de dire, de faire une vidéo de 22 minutes de merde, hein, monsieur Bibix, pour dire, attention, hein, l'islam radical est complètement différent. Non mais, on a très bien compris. Ah, surtout que là, je le dis avec des mots normaux. Toi, tu t'exprimes même pas bien. Je comprends pas ce que tu dis, tu vois. Donc, voilà. Genre, ça me fait marrer, cette histoire. Je vous jure, c'est incroyable. Enfin, pas Charlie Hebdo, évidemment. Non, non. Mais l'histoire de ce mec-là qui fait cette vidéo. Je veux dire, son avis, on s'en bat les couilles. On s'en tartine le trou de balle. Tu vois, voilà. Donc, rentre chez toi, fais tes vidéos de merde sur DayZ. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas DayZ qu'on dit, c'est DayZ. Hein. Ou alors, tu dis jour Z. Voilà. Mais DayZ, c'est un mélange des deux langues. Tu vois, ça n'a aucun sens. Voilà, donc, ferme ta gueule. Franchement, t'es vraiment... Tu casses les couilles. Voilà. À beaucoup de gens, hein. Voilà. C'est pas parce que t'as 100 000 abonnés qu'on doit se mettre à plat ventre devant ta tronche. Hein. Je peux te le dire. Ça, non. Donc voilà. En tout cas, pour la parenthèse sur Zibibix. Si j'étais à leur place, vraiment... ça me ferait chier, quoi. Mais comment on peut salir ma religion de cette façon, quoi.
Et c'est vraiment moi ça qui me choque et qui me fait bader. Je me dis, mais putain, les pauvres, quoi. C'est, tu vois, limite, j'ai plus d'empathie pour ces immigrés, tu vois, ces gens qui viennent de tous horizons, tu vois, qui sont de confession musulmane, parce que c'est finalement les trois, je pense, qui sont de confession musulmane. Le black, je sais pas, mais j'imagine. Je suis attristé pour eux plus que pour le peuple français, parce que finalement, le peuple français, voilà, il n'y a rien eu. Et c'est aussi comme Ahmed, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le flic qui a été abattu, mais comme une merde, quoi. Et mais là, mais putain, mais les gars, quoi. Donc, et voilà, donc encore une fois, j'y connais rien dans tout ça, religion et tout, je peux pas, j'ai pas lu le Coran, j'ai pas lu la Bible, j'ai pas lu machin, tu vois. Mais voilà, et je respecte en tout cas toutes ces religions, et donc je rends hommage en tout cas aux victimes. De cet attentat chez Charlie Hebdo, aux victimes qui a eu, on a vu la jeune policière d'une vingtaine d'années qui s'est fait tuer par le black, je ne sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler le connard, le tonneau à merde. Et donc, ce tonneau à merde en plus a tué encore trois autres victimes, je crois, dans l'hypermarché, l'espèce de marché de merde, un marché plus à la con, des juifs. Là. Voilà, bon, bref. Cachère market ou je sais pas quoi, hyper cachère, voilà. Je suis bien content qu'ils soient morts, ces fils de pute. J'aurais bien aimé qu'ils crèvent un peu plus, tu sais, qu'ils aient un peu mal, tu vois. C'est, tu vois, comme, comment il s'appelle ce connard dans Game of Thrones, le jeune blond, là. Je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Toto. Toto dans Game of Thrones, bon bah lui, il se fait buter, mais il boit du poison, et il meurt pas trop vite, enfin il meurt vite, mais c'est un peu pourri, tu vois. Et du coup j'aurais bien aimé, tu sais, qu'il se fasse torturer, limite qu'il se fasse couper les couilles comme l'autre, là. Comment il s'appelle Piouk ou je sais pas quoi, là, le mec qui pue la merde, là. Je sais plus, qui se fait couper la bite, enfin, bref. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai pas passé 22 minutes. On est bon, ma gueule. Alors, donc voilà pour ce qui est des infos. Maintenant, on va passer sur le bilan. Je vais essayer d'aller vite, finalement. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 plombes, ça me pète les couilles. Allez, donc... Bilan film, je vais moucher un coup, tiens. Ah, ça pue la bière, putain. J'ai épongé la bière avec ça, je suis vraiment trop con. Bon, bilan film. Alors, je vais vous parler d'abord des films que j'ai appréciés cette année. Comme je vous l'ai dit, il y en a sûrement beaucoup que j'ai pas mis dedans parce que j'ai zappé. Enfin, bon, voilà. Alors, globalement, c'est la plupart des films dont je vais parler, c'est des films dont j'ai déjà parlé en vlog. Donc je vais juste en parler vaguement, quoi, et je vous réfère à aller voir mes vlogs sur les films, quoi. Donc Paranormal Activity, The Marked Ones, vraiment excellent. Voilà, donc allez voir mon vlog, lien ici. Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, très très bon film d'action, moi j'ai kiffé. Alors plein de gens le bâchent, je comprends pas pourquoi, j'ai vraiment trop kiffé, il est vraiment excellent. Même si je suis pas fan, ça encore une fois, de la direction qu'ils ont pris pour le rôle de Peter Parker. Je dis pas que l'acteur est mauvais, il me dérange pas des masses, Garfield, je crois quoi, Andrew Garfield. Mais j'aime pas du tout le fait que ce soit un peu un mec qui fait des vannes, qui fait un peu le con. Oui, c'est proche du comics, allez, vous allez pas me le dire à chaque fois, je m'en bats les couilles du comics. Moi, quand c'est un truc qui m'emmerde, même si c'est comme ça dans le comics original, ça voudra dire que ça m'emmerde, voilà. Donc ça se trouve, en fait, le comics original, finalement, je m'en bats les couilles. Je préférais plus le Tobey Maguire. C'est-à-dire le Spider-Man un petit peu bisu, quoi, le mec qui se fait taper sur la gueule. Je trouvais ça plus stylé, toi, le mec qui devient balèze et il défonce après. Voilà. Mais bon, voilà. Après, moi j'ai vraiment kiffé The Amazing Spider-Man 2. Beaucoup mieux que le premier. Le premier, j'ai vraiment eu du mal. Il était pas mal, mais franchement, j'ai eu du mal. Et là, le 2, excellent. Donc, très bon. Vlog aussi, allez voir. Je suis poussé. Démerdez-vous. X-Men Days of Future Past. Excellent aussi, hein, voilà. Allez voir. J'en ai parlé, je suis parti dans un délire, enfin, je me suis même embrouillé dans mon vlog, et en le rematant, je me suis dit, mais en fait, je dis n'importe quoi, donc allez le voir, mais sachez que je dis n'importe quoi, donc si vous voulez perdre du temps, faites-le, mais enfin, bon, bref. Ou sinon, allez voir le film, matez-le, achetez-le en Blu-ray, démerdez-vous. Hein. Ou en DVD, ou en VHS, ou en cassette audio, enfin, me pétez pas les couilles, tu commences à me péter les couilles, toi. Je te vois au fond, non mais, parce que les autres, ça va. Ah, toi, voilà, voilà, vous reconnaissez, mais il y en a un, là, qui me pète les couilles. Est-ce que tu peux arrêter cette vidéo maintenant, s'il te plaît? Dégage, franchement dégage. Va voir Squeezie et arrête de me péter les couilles. Voilà, merci bien. If I Stay.
What's that? You'll be auditioning for Juilliard. That's the ceiling. I feel like it every night. Everyone seems so scary when you get there. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Me, not so much. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at Symphony. Why do I have this feeling you're about to mess up my entire life? You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Just like that. Use the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. Say something. Kid's waking up an orphan. If she wakes up, what am I supposed to do? Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you. Do you like me better like this? The you you are now is the same you I was in love with yesterday. You still have a family. Why me? Life is this big fat. Gigantic stinking mess. That's the beauty of it too. I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay. Très bon aussi, très très bon. Chloé Moretz, cette nana, je me marie demain avec elle. Je veux dire, viens, on se marie, tu vois. Alors j'ai pas grand chose à t'offrir. Un petit café, une petite duvel. Je sais pas, je peux t'offrir peut-être une Game Boy. Je peux t'offrir une Game Boy Pokémon. Je peux t'offrir une petite Game Boy Pokémon si tu veux. Voilà. Mais elle est magnifique. Elle joue trop bien. Elle est parfaite. Voilà. Et elle est un petit peu, tu vois. Il y a Ellen Page, tu vois. Et elle est en train de monter. Et bon, Ellen Page, comme elle a perdu des points en étant goudou, tu vois. La balance sentimentale au fond de mon cœur, tu vois. C'est en train. On sait pas. Hein, bon, voilà. Donc c'est vrai que. Non, mais Chloé Moretz. Magnifique. Et donc, If I Stay, je vous le recommande à 2 000 000%. Il est génialissime. Et donc, j'ai vu Hugo Cabret. Cabret, c'est ça ? Hugo Cabret. Avec elle aussi. Et j'ai kiffé aussi de ouf. Par contre, je trouve ça très très con dans ce film-là. C'est que ça se passe à Paris. Et donc, la version originale du film, est en anglais, tu vois. Alors, t'as envie de dire, non les gars, théoriquement, c'est pas possible. C'est parce que c'est à Paris, en fait. Donc, tu vas pas me dire que tous les Parisiens parlent anglais. C'est complètement con. Donc, voilà. Je trouvais ça un peu débile. Mais sinon, le film est génialissime. Hein. Hugo Cabret, je vous le conseille. If I Stay aussi, hein, évidemment. The Hobbit 3. Thorin, you gave a promise. You brought upon them only ruin and death. You've won the mountain, is that not enough? Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. You started this. You will forgive me. If I finish it. When faced with death, what can anyone do? I will not hide. When others fight our battles for us! But one question to answer. How shall this day end?
on dit The Hobbit avec un H. Je sais pas si on accorde. Donc The Hobbit, hein. De toute façon, j'ai pas besoin d'un H pas, je dis The quand même. Hein, ça aurait été The Terminator, je dis The Terminator. Alors The Hobbit 3, excellent. Moi j'ai beaucoup aimé le premier. Beaucoup de gens le trouvent à chier parce qu'il c'est trop long, il se passe que dalle. Moi j'ai adoré justement cette mise en place du décor, de l'univers, du machin. Il se passe, je sais pas, 45 minutes avant qu'il parte vraiment, tu vois. Et je trouve ça bien parce que on a le temps de se mettre dans le bain, de kiffer et tout. Donc j'ai vraiment kiffé, moi, le premier. Évidemment, le Seigneur des Anneaux est au-dessus. Mais bon, je vais pas le comparer au Seigneur des Anneaux, c'est carrément une autre trilogie. C'est très proche, mais... Le 2, j'ai bien aimé, mais moins que le 1. Et le 3, j'ai vraiment surkiffé, il est vraiment trop cool. Surtout les batailles, la bataille à la fin, elle défonce, t'as des batailles dans tous les sens. La bataille entre Legolas et l'espèce d'orque de merde. Putain, mais alors... Excellent quoi, le mec il saute sur des briques, enfin, c'est un malade mental, c'est énorme. Alors c'est gros de ouf, mais ça déchire. Et voilà, bataille finale entre l'orque de pute et Thorin, énormissime aussi. Donc voilà, très très bon, très très bon. Donc The Hobbit, excellent. Astérix, le domaine des dieux, voilà pareil, j'ai été le voir, excellent, ça défonce. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial, leur chère forêt laissant à la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Le domaine des dieux. Un vrai raccourci qu'il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale ? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants ? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sont avec eux. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien? Un cher carotte. Prix spécial Domaine des Dieux, 40 sesterces. L'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais. Les Gaulois veulent vivre comme les Romains. Ouh. Son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Présent. La ferme cubitus. Chargez-vous. Ne passerez pas. Oh. Le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah, ça n'est pas de la même limonade, là. Voilà, Alexandre Astier. Alors, je sais plus qui c'est qui a fait l'animation, je ne m'en rappelle plus. Mais l'animation est magnifique et la DA du film est parfaite, quoi. C'est magnifique. On a l'impression d'avoir des personnages, des figurines, quoi, qui s'animent. C'est super joli, c'est très bien fait. Donc, et on retrouve l'humour de Kaamelott. Évidemment, parce que c'est Astier qui écrit les dialogues. Alors, pas tout seul, hein. Il a quand même écrit les dialogues avec d'autres gars, mais il était là. Et donc on retrouve les vannes, des vannes de Kaamelott, on retrouve évidemment toutes les voix, quasiment toutes les voix de l'univers Kaamelott, donc des acteurs. Je pense à Franck... Putain, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui fait Perceval. Ils ont des petits rôles, hein, mais quand on entend la voix, on se dit putain, ça c'est Lionel Astier, ça c'est celle qui joue... La belle-mère du roi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dame Célie. Enfin bref, on retrouve beaucoup de voix de l'univers de Kaamelott, et c'est très cool. Par contre, très déçu. Alors, excellent qu'ils aient repris la vraie voix des premiers dessins animés Astérix, pour Astérix. Voilà, je sais plus comment il s'appelle le gars, mais il est très connu. Donc c'est la vraie voix d'Astérix, donc ça c'est excellent. Par contre, Obélix, ils ont pris celui qui fait le roi Burgonde dans Kaamelott. Et là... Putain, sur le cul, quoi, parce que la voix, elle est pas terrible, et quel choix, pourquoi ils ont fait ce choix-là, quoi. Moi, j'aurais bien aimé la voix d'Obélix
pour moi. Si on était parti dans le délire Kaamelott, la voix d'Obélix, c'était Caradoc. Évidemment que c'est Caradoc. Pourquoi ils ont pas pris ce mec-là? Donc voilà, c'est une grosse énigme. Alexandre Assis, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien que tu me dises. Envoie-moi un petit message, un petit texto. Non, c'est vrai, pourquoi? Alors peut-être qu'ils ont passé la direction, enfin ils ont passé les castings et ils se sont dit, ça va mieux avec lui, machin. Mais putain, mais Caradoc les mecs, quoi, ça aurait été énorme. Donc voilà, c'est dommage, là-dessus. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un petit détail, quoi. La voix, on s'y fait, bon, c'est pas dingue, quoi, mais ça va, c'est cool. Donc je vous le conseille, il est vraiment cool, drôle et super beau, surtout super beau. Donc du excellent. Ensuite, évidemment, bah, j'ai découvert Xavier Dolan à cause de DG qui m'a dit oh, j'étais voir Mommy, c'est de la merde. Machin. Je me suis dit bah, tiens, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai vu que c'était fait par Xavier Dolan et apparemment, le mec c'est un génie. Alors, je me suis dit bon, je vais regarder ce qu'il a fait. Donc, j'ai chopé tous ses films et donc j'ai maté les deux premiers qu'il a fait, J'ai tué ma mère et Les amours imaginaires. Et effectivement, J'ai tué ma mère, j'ai adoré, sauf la fin, j'étais un peu déçu de la fin. Les amours imaginaires, j'ai surkiffé de vous. Il est génialissime. Il est trop bien. On se reconnaît beaucoup dedans. Excellent. Alors, le pitch. Alors, j'aurais pu. Ces deux films-là, je voulais en faire un ciné de Sid, épisode 3, spécial Dolan. Je voulais parler de ces deux films-là. Je l'ai pas fait parce que déjà, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit. Est-ce que c'est bien utile de faire ça, quoi? Parce que voilà, Xavier Dolan, c'est quand même très connu. Je sais pas si vous connaissez, mais. J'en entends beaucoup parler, donc je me dis ça doit être connu, je dois être à la ramasse. Donc, bon, finalement, voilà, et par manque de temps, je l'ai pas fait, mais j'aurais bien aimé le faire. Mais du coup, je vais en parler là, vite fait. J'ai tué ma mère, bon, je vais le mettre de côté, parce que, bon, j'ai bien aimé, mais je vous le recommande pas de ouf. Il est bien, mais voilà, mais Les amours imaginaires, vraiment, je vous le recommande, donc je vais essayer d'en parler vaguement, quoi, très très vite. C'est l'histoire d'un mec et d'une nana qui sont amis. Meilleur pote, on va dire. Lui est gay et elle est hétéro. Et ils rencontrent à une soirée, je crois. Oui, c'est une soirée. Je l'ai revu en plus avant-hier, je crois. Ça, je vais en reparler aussi. À une soirée, ils rencontrent un mec qui s'appelle Nicolas, qui a les cheveux blonds, un peu frisés, bon, le beau gosse, quoi. Bon, il ressemble un peu à un fion, moi, je trouve. Mais bon, c'est vrai que bon, il pourrait se prendre une bite dans le cul, ça peut être. Ah, du café froid, c'est pas mal. Donc, il rencontre ce mec-là, et évidemment, ils tombent tous les deux amoureux du mec. Et il va s'en suivre plein de situations où, en fait, ils vont être amenés à être tout le temps, tous les deux, avec ce mec. Genre, ils vont boire un verre ensemble, le mec les invite à une soirée, évidemment, la meuf, elle reçoit l'invite, elle est toute contente. Son pote l'appelle, il fait ah bah j'ai reçu l'invite de machin, et du coup elle est déçue, elle se dit merde, en fait lui aussi il l'a reçu, enfin. Et du coup voilà, c'est voilà un amour imaginaire, ces deux là sont amoureux de ce mec là, et évidemment, est-ce que le mec ressent quelque chose pour l'un ou l'autre, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est hétéro, est-ce qu'il veut ken la longue, est-ce qu'il veut sucer une bite, on sait pas. Et du coup, tout le film c'est là-dessus, et il y a des quiproquos, des machins. Et c'est vraiment trop bien fait, et c'est vraiment trop cool. Il y a des zigs de ouf, ça te met dans une ambiance trop bien, et quand tu regardes ce film, t'es trop bien. Et c'est entrecoupé de petites scènes, alors très courtes, je sais pas, ça doit durer peut-être en tout... Je sais pas, ça doit être des scènes... on va dire, grand max 3-4 minutes, où on voit plein de protagonistes. Alors je sais pas si c'est des acteurs,
ou si c'est vraiment des gens qui racontent leur vie, vraiment sentimentale. Et en fait, ils parlent vraiment de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, en disant, bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai eu un rendez-vous, j'ai reçu un texto, ils voulaient me larguer, machin. Et ils te parlent de trucs, de situations, évidemment que certaines, moi j'avais vécu, et du coup, bah, c'est vraiment cool. Et c'est entrecoupé dans le film, c'est vraiment super bien fait. Parce que on voit l'évolution, on revoit certains personnages, qu'on voit dès le début. En fait, le film commence comme ça. C'est un genre, un espèce de bref de comptoir où t'as le mec qui fait, bah voilà, bon, bah, j'ai été au ciné avec une meuf, bon, j'ai commencé à l'embrasser, je sais pas quoi. Bon, il dit pas ça, mais bon, c'est pour vous montrer le délire. Et du coup, au fur et à mesure du truc, bah, on voit la différente évolution avec ces persos. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est en plein milieu, c'est parce que ça branle là. Mais ça apporte vraiment un truc stylé au film. Donc je vous le conseille de ouf, hein, Les Amours Imaginaires. Et il est passé récemment sur France 4. Bah, c'était mercredi soir. J'ai balancé un tweet. Il est passé, donc il y avait Good Morning England, donc énormissime, avec un de mes acteurs british favoris, Bill Nighy. Alors, je sais plus trop vraiment son nom, mais je crois que c'est Bill Nighy, qui joue aussi dans Love Actually. C'est un génie. Love Actually, et il était temps. Bon, Underworld aussi, mais enfin, c'est de la merde. Une belle grosse chiasse. Et donc, il joue dans ce film-là, Good Morning England. Et donc, je vous le conseille, encore une fois. J'en avais parlé sur Twitter, tout le monde s'en branlait parce qu'il y avait l'affaire Charlie Hebdo. Et juste après, ils ont passé donc Les Amours Imaginaires. Enfin, j'ai fait truc de ouf. Voilà. Et donc, j'avais mis un petit tweet. Regardez Les Amours Imaginaires, les génial, machin. Et tout le monde s'en est branlé. Donc, allez vous faire Sodom. Ou sodomiser votre mère ou votre oncle, hein, à vous de voir. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez loupé mon tweet, matez-le direct. Direct. Toi, je le fais avec l'accent africain. Africain. Il n'y a que des Africains. Voilà. Les Amours Imaginaires. Et donc, je vais terminer dans les films que j'ai kiffés. Et là, on en est à 33 minutes, c'est vraiment la merde. Je vais essayer de me manier. 3 hivers, 2 automnes. Le jour de mes 33 ans, j'ai décidé de courir 2 fois par semaine dans le parc d'en bas de chez moi. Ce matin-là, il y avait du soleil, j'avais les yeux baissés. Je prenais un virage, les yeux baissés, donc on s'est rentré dedans. Désolé, ça va ? Non, ouais, ça va. Je cours 45 minutes, mais pas d'Amélie ce samedi. C'est pas grave, je reviendrai le lendemain. Le dimanche midi, le week-end suivant, je me résous à l'évidence. La jeune femme que j'ai rencontrée a arrêté de courir le week-end. Voilà, un film français indépendant. Est-ce que c'est indépendant cette merde ? Je sais pas. Je pense que c'est un machin qui a pas eu de budget de ouf. Et je sais pas, franchement j'y connais rien, je me suis pas renseigné sur le film, donc je vais fermer ma gueule là-dessus. Bref, petit film sans prétention, français. Alors, peut-être qu'il y a un partenariat avec la Belgique, ou quoi, j'en sais rien. L'histoire d'un mec qui rencontre une nana en faisant du footing, je crois bien. Alors, je l'ai vu il y a un moment, hein, c'était en début d'année. Donc, je m'en souviens pas de ouf. Et je voulais justement en parler dans un ciné-de-cide, et j'ai abandonné parce que je me dis que ça allait peut-être pas intéresser les gens. Et comme c'est un peu dans le même délire que Dolan, je me suis dit, bah là, tant qu'à faire, je vais en parler vaguement comme je suis juste après. Donc voilà, il rencontre une nana, évidemment, il va se passer, machin, et voilà, c'est une histoire d'amour assez cool. Et c'est vraiment, il n'y a pas de truc de ouf, tu vois, c'est vraiment, on suit la vie un peu amoureuse de ce mec-là, avec cette nana, et voilà. Mais c'est sympa, enfin, t'es là, t'es posé, t'as une petite voix off, c'est très bien fait. T'as une petite voix off par-dessus, le mec raconte un peu sa vie, c'est illustré par donc des images de la vie et de ce qu'il a vécu, et c'est plutôt sympa, et moi j'ai bien kiffé, donc je vous le conseille. Bon, après, si vous aimez les films d'action ou les machins où il y a un peu de suspense et tout, vous allez vous faire chier la bite, hein. Ça c'est clair, donc ne le matez pas. Mais voilà, si vous voulez être dans une petite ambiance posée, être à la fin, dire oh, bah, c'était sympa, machin, après vous tapez une petite quichette, machin, vous démerdez, mais voilà, donc je vous conseille, voilà, 3 hivers, 2 automnes, très sympa. Voilà, ensuite je vais parler des daubes. Alors vite fait, hein, j'en ai 4. 4 grosses merdes que j'ai vues qui sont vraiment des chiottes de bite, nul à chier. Hein. Si, franchement. Alors il y en a un, je l'ai même pas été le voir au cinéma. Bah non, en fait. Il y en a 2 que j'ai pas vu au cinéma. Il y en a 2 autres que j'ai vu au ciné que j'aurais.
J'ai fait une... J'ai... Non, j'ai pas fait une casser. Non, il y en a un, j'avais envie de me casser. Mais j'étais en famille, donc j'allais pas dire, ah bon, je me barre. Tu vois, surtout que j'allais rester dehors à attendre que... Voilà, parce qu'on était avec la même bagnole. Enfin bon, on s'en bat les couilles. Donc alors, Under the Skin. Donc j'ai vu cette merde chez moi. Moi, je l'ai téléchargé également, parce que bon... On m'a dit, c'est génial et tout. Et bon, voilà, j'ai vu l'affiche. Je me dis, l'affiche est stylée. C'est vrai que c'est beau, c'est pas mal, il y a une ambiance. J'ai lu le scénar. Scénar qui fait trois mots, vrai. Et j'ai regardé cette merde. Et à la fin, j'ai fait... Mais pourquoi avoir usé de la putain de pellicule ou de la place dans une carte SD, je sais pas comment ils se démerdent pour finir cette grosse merde, s'en bat les couilles connard, pour faire cette merde. Pourquoi prendre du temps à des gens et payer et de dépenser de l'argent pour faire cette chiotte de trou de balle? J'ai eu autour de moi que des avis quasiment positifs sur cette saloperie. C'est quoi vos arguments? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Alors oui, il y a une ambiance. Ah, je suis d'accord. Il y a une ambiance. C'est beau. Il y a quelques plans, c'est bien fait, c'est beau. Il y a des couleurs, des effets. Bon, c'est joli. Notamment, il y a une scène où bon, à un moment c'est tout rouge, après c'est tout noir. Enfin, il y a du cambouis. Enfin bon, bref. Bon. Et alors, l'argument qu'on m'a dit, ah ouais, alors, c'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est... Mais c'est bien parce qu'il y a Scarlett Johansson à poil. Voilà, paye ton argument. Hein. Voilà. Ok, super. Donc tu vas dire que ce film qui dure... Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'il dure presque 2 heures, voire un peu plus. Je sais pas s'il dure 2 heures. Enfin, je crois qu'il dure presque 2 heures, genre 1h45, comme ça, je sais plus trop. Mais en tout cas, il est bien, il m'a bien pété les couilles. Hein. Tu vas pas me dire qu'en 1h45 de film, à peu près, une scène de... Je sais pas, 10 secondes où on la voit à poil devant un miroir, c'est ce qui te fait dire que le film est génialissime. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on aime bien cette grosse merde. Donc voilà, Under the Skin, nul à chier, et je ne comprends pas cette merde. Voilà. Annabelle. Putain, j'aurais pas dû en parler parce que là je vais vraiment me vénère sur toutes ces merdes. Après, il y a Mist. C'est trans. Oh, bon. Annabelle. James Wan avait fait un monstre avec Conjuring. C'était un de mes coups de cœur, alors 2013, ouais ça, c'est sorti en fin d'année 2013, un de mes coups de cœur 2013, clairement. Un des meilleurs films d'horreur, film d'épouvante en tout cas, que j'ai vu. Je pense que je le mettrai dans mon top 5 de films d'horreur. En cinquième, je pense, hein. Il y a des trucs mieux à mettre avant. Mais vraiment... On ressent vraiment le truc, on bade, et on est vraiment dans le film. Donc, pas de screamer, il y a un screamer, mais on le voit pas venir du tout, donc... Parce qu'en général, les screamers, tu te dis, allez, balance-moi ta merde, voilà, c'est ça le screamer, tu sais que ça va arriver. Il y a un screamer qui est pas vraiment un screamer, parce que c'est dans le film, donc c'est normal qu'il se passe ça, donc voilà. Et donc je me suis dit, Annabelle... Putain, c'est ce qui s'est passé avant, enfin c'est avec la poupée qu'on voit au début de Conjuring, ça va être une tuerie. Et quand j'ai vu que c'était pas James Wan qui réalisait le film, je me suis dit non, ça va être chiant, ça va être de la merde. Et ça a pas manqué, hein. C'est de la merde, c'est une chiasse, mais putain, c'est une merde. Alors il y a une scène qui est méga stylée, une scène, en fait tout le long de la scène c'est super stylé. À un moment, la nana, je vous spoil, enfin on s'en bat les couilles, de toute façon, rien de foutre. La nana descend mettre un truc à la poubelle, je sais pas, dans les caves de l'immeuble. Et bref, elle voit un truc au fond, elle commence à bader, du coup elle rentre dans l'ascenseur. L'ascenseur se ferme, elle remonte au premier, les portes s'ouvrent et elle est toujours dans le sous-sol. Elle recommence, tac tac, et voilà, et on voit un espèce de machin noir qui arrive au fond. Mais en mode, vraiment, qui commence à arriver quoi. Et donc là, on voit le truc arriver, et donc ça fait vraiment bader, quoi. La meuf, elle bade, machin. Après, elle monte les marches, et à un moment, elle se retourne. Donc du coup, elle prend les escaliers, parce que finalement, ça ne marche pas, l'ascenseur. Et à un moment, elle se retourne, et elle voit, dans le noir, dans l'obscurité, on le discerne à peine. En fait, on voit, c'est le diable, hein, une espèce de machin noir dans les marches, comme ça, qui la mate, quoi. Mais on le discerne à peine, et ça fait vraiment bader. Cette scène, jusque-là, ce que je dis là, on coupe ici,
magnifique, vraiment très très bien, bien réalisé, t'as une tension, c'est vraiment super classe. Par contre, ils ont foiré la scène juste à la fin, ils ont tout détruit. C'est-à-dire, ils te font un truc vraiment stylé, qui rattrape le début du film, qui est vraiment à chier, et la fin aussi, de toute façon. En gros, c'est comme si... Regarde, c'est comme si tu faisais un putain de gâteau, tu vois, avec des petites fioritures, des machins, des petites bougies, des trucs, et à la fin, tu baisses ton froc, et tu chies une grosse putain de merde là-dessus, tu vois. À la fin, ils t'ont mis, donc, ce mec dans l'escalier, et on voit la tête du diable qui arrive comme ça, en haut de l'écran à l'envers, genre... Là, tu fais, mais pourquoi ? Ça aurait été tellement plus classe de le faire avancer tout doucement. Voilà, la meuf se barre et après vous démerdez, mais voilà. Non, non. Ah, il y a un screamer, voilà, donc les gens ils gueulent, c'est rigolo. Bref, donc Daubasse infâme, ne regardez pas cette saloperie, c'est de la merde. Mister Babadook. Ou Badadook. Non, Babadook. Babadook. Alors déjà le nom, on repassera pour le nom, les gars. Je voulais le voir parce que ça joue avec la peur des enfants et tout, donc je me dis, ça va être vraiment. Un peu malsain, tu vois. Quand il y a des gosses, tout commence à être un peu malsain. Je dis pourquoi pas. Au final, tu te fais chier. Quasiment que des screamers. Et la fin, les gars. La créature, en fait. Donc, c'est une créature qui hante la chambre d'un gosse. En fait, finalement, c'est un peu ça. Qui se cache sous le lit, dans le placard. Enfin, de la merde. Et à la fin, il capture la créature. Attention, non, mais accroche-toi. À la fin, il capture la créature. Il l'enchaîne. Enfin, il l'enchaîne. Elle est condamnée dans le sous-sol et ils viennent lui donner à manger dans une gamelle. Genre c'est un chien en fait le truc. Espèce de démon de ouf pendant tout le film que t'as, tu vois. À la fin, les mecs c'est un animal de compagnie. Ils lui donnent un bol avec des asticots dedans. Bon, ils mangent de la terre avec des vers, donc c'est un peu de la merde. Mais limite, ils auraient dû mettre une gamelle avec écrit Babadook, tu vois, dessus. Genre en mode vas-y ta gamelle et puis je te donne un jouet, c'est Noël. Voilà, donc... De toute façon, c'est de la grosse merde, donc je vais pas rester plus longtemps là-dessus. Transcendance, bon, voilà. Je voulais aller voir, moi, à cette époque-là, Charlie à l'Ouest. Je crois que c'est ça. Je sais, Albert à l'Ouest. Charlie à l'Ouest, n'importe quoi. C'est à cause de Charlie Hebdo, tu vois. Voilà. Albert à l'Ouest. Et au final, on m'a dit, ah non, ma soeur m'a pété les couilles, on va aller voir Transcendance. Il n'y a que moi qui voulais aller voir Albert à l'Ouest, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, alors c'est une grosse merde. J'ai vu le synopsis et j'avais maté la bande-annonce, je me dis, bon, ça a l'air sympa, tu vois. Et puis j'ai maté le film, et c'est en 3D en plus. Donc, déjà, la 3D, je trouve ça vraiment à chier de la bite. Et donc, c'est de la merde, hein. C'est nul à chier, je comprends rien. Enfin, c'est même pas on comprend rien, c'est que... On s'en bat les couilles, enfin, moi je m'en battais les couilles, tu vois. Et donc, c'est de la merde, nul à chier. J'encule ce film de merde, voilà. Je vais pisser, donc je fais une petite cut, et puis après on va parler des youtubeurs, parce que ça c'est pas mal. Allez. Bon. Continuez, est-ce que ça filme toujours? Est-ce que ça... Ah, il n'y a presque plus de... Ah si, la batterie elle charge, ok. Donc. Alors, les youtubeurs que je continue à mater, on va partir là-dessus, et ensuite les découvertes. Donc ceux que je continue à mater, évidemment, Zhooper, voilà. Même si je trouve que... Il y a une petite baisse de régime et que les vidéos sont moins... Enfin, c'est moins fun, quoi. On sent que le mec se force un peu, donc c'est pas dingue, mais bon. Ça reste le meilleur, de toute façon. Quoi qu'on dise, hein, c'est comme Dieudonné, quoi. Ça reste le meilleur. Donc voilà. Donc Cooper, voilà, très bon. Enigmatic. Voilà, encore une fois, genre, je continue à mater Enigmatic. On va reprendre le truc à la... À la bière, ça fait combien de temps? Putain, 47 minutes, il faut que je me manie. Enigmatic, donc, bah voilà, j'ai vu qu'il arrêtait... certaines de ses vidéos, certains types de vidéos. Bon voilà, tant qu'il fait ses Itadakimasu et qu'il fait quelques petits podcasts et tout, et qu'il continue à faire des petits quand même, des petites vidéos sur... J'avais bien aimé ta vidéo sur Far Cry 4, je pense que tu regarderas cette vidéo Enigmatic, donc c'est pour ça que je me permets de te tutoyer, de te parler directement. J'avais bien kiffé celle de Far Cry 4. J'avais bien aimé ton unboxing de... Un jeu PC de merde dont tout le monde se branlait et où tu disais « Eh, voyez, notre chevalier avec son épée solide !» J'aimais bien ce putain d'unboxing, il faisait trop marrer et tu l'as viré, putain. Il faut que tu me re-uploades cette vidéo. Je veux revoir cette vidéo. Donc voilà, Enigmatic, voilà. Bon, apparemment, il va refaire des lives, il va continuer à faire des lives. Je vous mettrai le lien de ses lives, hein. Voilà, comme ça. Je vais faire de la pub de ouf, hein, les gars, là. C'est vidéo de pub, hein. Voilà, donc Enigmatic, bon, heureusement que t'arrêtes pas complètement les vidéos parce que sinon, non, ça va pas le faire.
Faut pas. Donc, énigmatique. Alors, j'ai mis Anne Laplantine, mais elle fait plus de vidéos, donc on va rien foutre. Ou Anne Laplantine, voilà, si tu m'entends. Alors, je sais même pas si tu as déjà regardé ce que je faisais. Hein, tu m'avais prêté ta voix pour faire un sitcast il y a un moment. Alors, est-ce que tu continues à faire des vidéos? On ne sait pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des chaînes dans la description. Anne Laplantine, bon, c'était avec McMahon, toute l'équipe, Georges Sympa et tout. Samuel Boudier, voilà. Et moi, je kiffe. Angloutos aussi, c'est ça, hein. Et j'adore ce que vous faites, hein. Moi, vous me faites toujours putain de marrer, quoi. Vous faites n'importe quoi, ça me fait marrer. Vous faites des vidéos qui n'ont pas de sens. On comprend rien ce que vous faites. Halloween, la meilleure vidéo du web, quoi. Halloween, avec McMahon qui fait... Ah bah bravo, hein. La femme de la maison, enfin, ça me fait délirer. Bon, bref. Voilà, Anne Laplantine, bah, refait des vidéos, quoi, parce que c'était cool. La VGN... Ouais, bon, voilà, la VGN, toujours bon. J'ai adoré ces... c'était quoi? 12... Ouais, c'était ça, c'était 12 qu'il avait fait. 12 Days of Shitmas. Putain, c'était excellent, quoi. Excellent. Donc, j'ai kiffé vraiment les... Avec le dernier, avec le jeu LJN, complètement moisi pour dessiner, enfin... J'ai adoré ces 12 vidéos là qu'il nous a fait pour Noël. 12 reviews un peu vraiment rapides de jeux de merde, donc c'était vraiment très bon. Et du coup, bah, j'en ai pas parlé dans les films que j'ai maté cette année. Parce que justement, j'en parle là, de la VGN, donc évidemment, allez voir son film. Regardez son film. Alors il faudrait que je le remate en sous-titré français, parce que je l'ai maté qu'en VO. Et bon, il y a certains passages où j'étais un peu à la ramasse, je me dis, bon, je comprends pas trop. Mais voilà, j'ai compris l'essentiel du film, j'ai adoré, c'est... Putain, mais c'est un monstre, ce film, c'est un monstre, il est génial, il est trop cool. Trop bien, putain. La VGN. Tu l'as... Je sais pas que tu l'as maté, non, il était pas là, je crois. Tu l'avais pas maté avec moi, toi. Ouais, non. Il était avec Mila Kunis, encore. Et l'autre con, qui fait du rap, je sais plus comment il s'appelle. Donc très très bon, AVGN, le film, matez-le. Il est dispo en plus en sous-titré, hein, donc je pense aller le voir. Voilà. E-Jeremy. Alors, E-Jeremy, j'ai vraiment... Moi, j'avais de plus en plus de mal à continuer à regarder, parce que je trouvais une monotonie dans ses présentations, et... Voilà, je commençais à m'ennuyer. Je me dis, bon, le mec, ça fait 7 ans qu'il fait la même chose, c'est vrai que ça était un peu emmerdant, quoi. Et la venue de Lucas, ça a tout changé, mec. Ça a tout changé parce que on sent, bah, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Déjà, tu touches un public plus jeune, parce qu'avec les Skylanders, Disney Infinite et toutes ces saloperies, moi je trouve que c'est de la merde, mais bon, normal que ça plaise aux gosses, ces petites figurines, bon, sérieux. Par contre, ça coûte la peau des robignoles, hein, ce truc-là. Et j'ai trouvé que, voilà, le fait qu'il y ait Lucas, c'était vraiment une très bonne idée. Ça donne un côté vraiment familial à tes vidéos. Et des fois, quand il y a ta femme, c'est Céline, je crois. Ouais, quand il y a ta femme, Céline, donc c'est vraiment cool. J'ai kiffé la vidéo, je crois que c'était Nintendo Land que vous aviez fait. Mario Kart 8, j'avais moins apprécié, je crois. Et j'avais bien aimé la vidéo où vous bouffiez les bonbons à Harry Potter. Là. Excellent, vraiment très très bon. Donc voilà, et j'ai adoré la vidéo que tu as fait donc, avec Lucas. C'était Chariot, je sais plus quoi, un jeu avec des chariots, là. Et voilà, c'était un petit zapping, je te l'avais déjà dit sur Twitter, c'était un petit zapping où en fait, t'avais donc filmé tout un rush de vidéos, et en fait, t'as mis que les passages un peu drôles, un peu sympas, tu vois. Et t'avais fait la même chose pour GTA V, et ça, c'est vraiment le truc que tu devrais faire, je pense, pour la plupart de tes vidéos. C'est ce que tu fais, de toute façon, là, Far Cry 4, on a vu, c'est pareil. Bon, j'ai eu un peu de mal à accrocher Far Cry 4, je t'avoue. Bon, moins de fun, bon, c'est vrai que pas terrible, mais... Vraiment ce type de vidéo où tu filmes vraiment un gros truc et que tu fais un petit zap en fait de la vidéo qui dure un petit quart d'heure, c'est vraiment cool. Donc voilà, t'as eu vraiment la bonne idée de convier toute ta famille à faire des vidéos avec toi. Donc voilà, E-Jeremy maintenant, bah, du coup je prends plaisir à regarder parce que voilà, on sent l'amour familial, on sent que c'est joyeux, c'est... Voilà, ça fait plaisir dans ces moments un petit peu où la vie est un peu de la merde, hein, on va dire. C'est vrai que ça fait plaisir, voilà. Donc, E-Jeremy, petit big up, hein, aussi. Bon, de toute façon, je sais même pas si tu regardes mes vidéos, je crois pas. Mais, bon, je te mettrai sur Twitter, je mettrai le lien, comme ça tu verras que je parle de toi. Ah, moi, tu comprends. Bon, bref, L4. Putain, L4, et oui, L4. Bah voilà, écoute, L4, je te mate depuis Delhi, donc c'est pour ça que je t'ai mis dans des gens que je continue à suivre.
Tu me fais toujours autant marrer, j'aime bien tes vidéos. J'ai bien kiffé la vidéo que tu as faite sur les Raz Moquette récemment. Où tu as dû racheter le jeu parce qu'il y avait des bugs avec la vidéo, émulateur, enfin bref. Et du coup, ça m'a donné envie d'acheter le jeu aussi. Mais à la fin, je me suis dit, putain, c'est quand même de la merde, faut pas que je le fasse. Surtout le passage où tu es avec le chien, là, putain, mais ça a l'air vraiment à chier. Mais si un jour je le trouve pas trop cher, je pense que je tomberai dessus. Je vais peut-être le prendre. J'ai envie d'y jouer, en fait, donc... Bon bref, L4, en tout cas, continue tes vidéos. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis moins fan des vidéos épreuves que tu fais sur les Final Fantasy, parce que j'aime pas Final Fantasy, tout simplement. Voilà, mais sinon, le reste, tes tests, ça donne envie, en général, d'acheter les jeux. Récemment, j'avais acheté... Attends. Putain, il est où, ce putain de jeu de merde? Ah, mais je crois que je l'ai donné. Ou je l'ai prêté, ou je l'ai donné, je sais même plus. Ouais, je crois que je l'ai donné. Bon, bref. J'avais acheté Assassin's Creed Black Flag suite à ta vidéo. Parce que ça m'avait vraiment donné envie de l'acheter. D'ailleurs, je t'avais mis un commentaire en me disant que j'allais peut-être l'acheter à cause de toi. Et bon, finalement, c'est de la merde. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça chier. C'est Assassin's Creed. Hein. Et du coup, voilà. Voilà, donc très très cool. Cette petite vidéo était très bien. Donc, voilà. Je suis toujours ce que tu fais et continue, hein, parce que c'est cool. Et je sais pas quand est-ce qu'on va faire une vidéo reportage chez toi, mais on le fera. En tout cas, t'avais donné ton accord, donc on te recontactera, on va sûrement le faire, je ne sais pas quand, avec Staz et tout, c'est génial. D'ailleurs, Staz, on en parle. Voilà, je continue à regarder Staz, évidemment, Staz est génial. Staz est... voilà. Je vais pas plus te lécher le cul, Staz, parce que bon... on pète les couilles. Staz, bon, très bon. Pixel, bon, je continue à regarder ce que tu fais, tes petits tours de cartes, tes dossiers. J'ai bien aimé ton dossier sur les pubs des jeux Saturn. Bon, voilà, on sent quand même que tu t'investis moins dans ce que tu fais. Peut-être que t'as pas trop le temps, hein. Je pense que tu dois beaucoup bosser et tout. Donc c'est pas trop grave. Moi j'aime bien les tours de magie et tout, je trouve ça cool. Il y a 2-3 tours, j'ai pas compris comment t'as fait. Il y en a 2 ou 3, je me suis dit, à mon avis ça sent le jeu truqué. Il y en avait, à mon avis, ça sent le jeu truqué. Mais bon, la plupart des tours, je vois tes manipulations. Mais tu gères de ouf, hein. C'est vrai que tes mains, machin, on comprend pas trop le truc. Il y a certaines vidéos, j'ai dû mater plusieurs fois pour me dire, ah d'accord, là il glisse en fait pas la bonne. Ah bon, bref. Mais très bon, très très bon. Size Fac, bon, je ne vais pas trop en parler. Je continue à regarder, j'adore toujours ce qu'il fait. Bon, après, j'ai jamais eu de nouvelles de lui, je n'ai jamais discuté avec lui. Donc je sais pas s'il regarde ce que je fais, je ne pense pas. Bon, voilà, Size Fac, vraiment très cool, j'adore. Il fait des très bons dossiers. Il vanne un peu les gens, il casse un peu les mecs, et je trouve ça stylé. Voilà. Squall982. Je continue à regarder ce que tu fais. Je sais pas pourquoi, mais le mec, il te sort des vidéos, mais sans déconner, il te sort des vidéos unboxing d'une Wii U. Wind Waker, pour ne citer qu'elle. La vidéo, elle fait 1 heure, je sais pas combien, tu vois. Je sais même plus combien elle fait, mais le truc est gigantesque. Et putain, je la regarde en entier, tu vois. Le mec, je te jure, il ouvre le carton de la Wii U au bout de 30 putains de minutes, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec, il discute, il paye sa vie, vas-y, il boit un petit café, et ouais, alors. Oh, puis tiens, l'autre fois, j'ai été chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux, machin. Et le mec, pendant 30 minutes, il te parle, et moi, j'accroche, ça me fait marrer, je regarde. Donc, et c'est ce que je t'ai dit. Vraiment, je regarde toujours tes vidéos unboxing, présentation de collection, trucs comme ça. Je t'avoue, tes vidéos dans in-game, j'accroche pas. J'ai un peu de mal à... Voilà, je regarde 3 minutes et au bout d'un moment, j'arrête. Mais c'est vrai que tout ce qui est unboxing, machin, quand tu parles, machin, quand t'es là et tout, je trouve ça vraiment convivial. Enfin, en tout cas, moi, j'adore, je te l'ai déjà dit, hein, j'adore toutes ces vidéos-là, je suis fan de ouf. Donc, continue, hein, à nous faire rêver. Squall. Yoshi The Real, toujours. Genre, continue à regarder toujours Yoshi depuis Dailymotion. Alors, je sais pas si c'est toujours sur Daily, Yoshi. Moi, je te suis en tout cas sur YouTube maintenant, comme t'es une chaîne. Donc voilà, écoute, j'ai rien de plus à dire. La dernière vidéo que j'ai dû voir de toi, attends voir. Je crois bien que c'était. Je sais pas si c'est ça. Je crois que c'était la vidéo Amiibo sur Star Fox. C'est l'Amiibo Star Fox que t'as acheté, je crois. Je crois que c'est celle-là que j'ai vue. Je sais même plus, franchement je sais plus. Ou peut-être The Evil Within. Je crois que c'est The Evil Within, ouais. Ouais, c'est The Evil Within que j'ai vu en dernier, la dernière vidéo que j'ai eue. Et j'ai bien kiffé, voilà. Donc, Yoshi, de toute façon tu sais ce que je pense de toi aussi, évidemment. Allez, hop là, big. Zéro de Daily, zéro de Daily, on sait pas ce qu'il vient là.
Je continue à regarder ce que tu fais, mais comme tu fais plus rien, bah, je regarde plus. Voilà, donc zéro de délire, revient. Voilà, pareil, big up. Milo and Chibi, donc. Écoute, alors je sais pas s'ils font encore des vidéos, les gars. Je sais que vous me suivez toujours, donc ça c'est cool. Bon, je vous adore, de toute façon, vous le savez. Mais putain, vos vidéos me manquent. D'ailleurs, j'ai kiffé les vidéos où vous présentez un peu des easter eggs dans le jeu, ou des trucs un peu qu'on connaissait pas. Ça, c'était sympa. Donc voilà. Et vous devriez refaire des vidéos de votre collection, de ce que vous avez acheté, des réceptions de colis, j'aimais bien aussi. Milo & Chibi, donc j'ai mis un point, je vous ai mis entre parenthèses, avec un point d'interrogation, et on sait pas. Donc revenez vite, les gars, revenez vite. Styx, c'est pareil, Styx, qu'est-ce que tu branles? Styx, qu'est-ce que tu branles? Bon, je sais que tu branles des bites parce que t'es bon, t'es pédé, mais c'est pas grave, je t'adore quand même, Styx. Styx, reviens! Reviens, Styx! Mon Styx, ouais, voilà. Depuis son truc des ovnis, on sait pas ce qu'il est devenu. Il s'est peut-être fait enlever par les ovnis. On sait pas. Donc Styx, ouais, putain, tu manques trop de ouf. Tu manques à Internet, mais il faut que tu reviennes de ouf. Tu sais que je regarde la vidéo où tu bois l'eau de Mélisse. Mais mec, cette vidéo, je l'ai même enregistrée tellement elle me fait triper, quoi. Bah voilà, ça me fait marrer. Donc cette vidéo, elle est trop bien. Mais il faut que t'en fasses d'autres. Il faut que tu boives d'autres alcools. Voilà. Donnie, what the fuck. Donnie, WTF, qu'est-ce que tu fais? Avec ton émission sur le cinéma qui était géniale, que je l'ai déjà dit, de toute façon, c'est moi j'adore. Alors, c'est vrai que je l'ai partagé sur Facebook et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, je suis pas fan et tout, mais moi je suis vraiment trop fan. Enfin, franchement, j'adore. Et donc, reviens, celle sur Freddy, mec, elle était trop bien, la mise en scène et tout, c'était stylé, mec. Donc, reviens de ouf, reviens. Voilà, et évidemment, alors je l'ai gardé pour la fin parce que pour moi, c'est au-dessus de tout. Là, tous ceux que j'ai cités, bon, c'est vraiment des bons, quoi. Je les adore. Mais voilà, je continue à regarder parce que, bah, parce que je pense que je suis amoureux, au fond, je pense. C'est Loka. Eh ouais, c'est Ziloka. Hein, donc Loka, bon, bah voilà, je continue à regarder ce qu'elle fait. Bon, même si elle est moins présente, là. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de vlogs, elle fait un peu moins de vidéos travaillées. Petit café et tout. On sait pas, hein, vous avez du café, par l'attraction, P4C, quoi. Non mais ouais, Loka, bon bah voilà, franchement elle est trop bien cette nana, c'est la femme idéale pour moi. Je vous le dis, hein. Elle est jolie, elle est drôle, elle a du talent de dingue, elle est géniale quoi, elle est géniale. Voilà, et Francky évidemment, s'il n'y avait pas Francky dans le lot, les gars, ça serait moins, bon il y a toujours Loka, mais bon ça serait, et vraiment un petit truc, tu vois. Francky, génial, moi ce mec je le kiffe, hein, voilà. Je pourrais devenir PD pour Francky. Enfin bon, bref, donc Loka, bah voilà. Je t'aime, je pense que je peux le dire, je t'aime. Voilà, donc ça c'est pour les youtubeurs que je suis toujours, et évidemment, les youtubeurs que j'ai découverts cette année. Hein. Donc il y en a beaucoup, il y a Axolot, bon je vais pas revenir dessus, tout le monde connaît, Le Fosseur de Films, L'Ermite Moderne, Exerve, qui m'a beaucoup aidé pour Dark Souls. Voilà, donc ça c'est les gens, bon, je cite, mais c'est des grands youtubeurs, donc ça sert à rien de passer trois plombes à dire « Oh j'adore Ah, Le Fosseur de Films, alors si vous connaissez pas, il parle de films, il a une pelle, voilà. Bon, je vais pas faire mon paillot de merde, rien à foutre. Mais voilà, donc ça c'est des mecs que je suis. Aussi très connu GusDX, voilà. D'ailleurs que j'ai suivi sur Vimeo. Et j'achète tous ces épisodes, je les mate, je paye 2€ ou 1,99€ pour les mater parce que je trouve que c'est une émission de qualité et il mérite d'être payé. Et moi je peux, voilà, je travaille et tout, donc je peux me permettre de lâcher 2 balles pour mater sa vidéo. Et en plus, une fois qu'il a atteint 3 000€, donc ce qui va lui permettre de payer son loyer et tout, parce qu'il a un gosse, ou même 2 gosses, il a une femme et tout, donc il a des besoins. Voilà, dès qu'il atteint les 3000 balles, à chaque fois, il met la vidéo en gratos sur YouTube. Voilà, et je trouve, voilà, ce mec est vraiment génial, il est entier, c'est un mec vraiment cool. Il a l'air super, super sympa en plus. GusDX, donc... Et il reste super proche des gens qui le suivent, je trouve. Malgré son nombre d'abonnés qui est quand même assez fat, donc voilà. Donc GusDX, bah très très bon, moi, je l'adore aussi. Voilà, je regarde que ces émissions paranormales. Hein. Pour moi, voilà, il y a une ou deux vidéos, enfin une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois sur le paranormal de GusDX et je la mate à chaque fois. Le reste, Minecraft, tout, j'en ai rien à branler, mais vraiment, il devrait se concentrer que là-dessus, je pense. Voilà. Ensuite, donc pour les gens un peu moins connus que je suis, il y a Michael Launay, Micmat. Très très bon pour vous apprendre les mathématiques, pour voilà, pour vous rappeler quelques notions mathématiques. Vraiment, il explique ça d'une manière très simple, il fait des schémas, des trucs. Il a une bonne tête, il présente bien les choses, et j'adore ce mec, donc voilà, Micmat, Michael Launay, je vous le conseille aussi.
Ça change du jeu vidéo, les gars, mais faut voir d'autres trucs, voilà. Faut voir d'autres trucs. Ensuite, j'ai mis Brett Domino, donc ça, en très connu, c'est... Voilà, je suis tombé sur une reprise de Jurassic Park avec des dessins faits en peine dégueulasses, et j'avais trouvé ça génialissime. Ces mecs-là, je continue à les suivre. Je regarde pas trop, mais... de temps en temps, quoi, c'est rare. Le jeu, c'est sérieux. Voilà, c'est des mecs que je connais depuis quand même quelques années, mais que j'ai jamais vraiment regardé, enfin, je regardais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et je me suis vraiment abonné et tout, là j'ai commencé vraiment à mater, et j'adore. Guise et Laurent, pour moi, ils sont vraiment trop cool, et c'est des Québécois, et j'adore le Québec, de toute façon c'est un pays vraiment que je kiffe. Et donc voilà, même si, monsieur Alex du Québec, je critiquais votre dollar québécois, c'est évident, c'est de l'humour, je plaisantais, donc voilà, moi c'est vraiment un des pays dans le monde qui vraiment me fait kiffer. Le Québec, voilà, j'adore les Québécois, l'accent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, l'accent québécois, c'est un tue-l'amour, c'est de la merde, il est dégueulasse, c'est drôle et tout. » C'est ce que je pensais au tout début, quand j'ai entendu l'accent québécois dès le début. Mais c'est vrai que l'accent québécois, quand t'es habitué, parce que bah, moi, du coup, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Il y a des films que j'ai maté en québécois, comme les films de Xavier Dolan, qui sont entièrement québécois, donc t'as pas le choix. Alors t'en as certains qui sont sous-titrés, mais moi, je mate sans sous-titres, parce que sinon, tu lis tout le temps les sous-titres, et puis bon, c'est de la merde. J'écoute beaucoup de musique québécoise, enfin beaucoup. En fait, j'écoute trois artistes québécois, les Trois Accords, les Cowboys Fringants et Plume à Traverse. Voilà. Et donc, l'accent québécois, au bout d'un moment, je l'ai dans la enfin, je veux dire, c'est bon, quoi, je le connais. Et du coup, ça me fait plus rien. C'est comme, pour moi, c'est comme l'ars. Non, j'allais dire, c'est comme. Ouais, c'est un accent normal, enfin, ça me gêne plus, quoi. L'accent marseillais, par contre, je trouve ça plus dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment un tue-l'amour, pour le coup. Je déteste l'accent marseillais. J'ai rien contre les Marseillais. Ah non, l'accent du Sud. C'est pas l'accent marseillais, c'est l'accent du Sud, en fait. Eh, bonjour. Imagine, t'as une meuf qui arrive, bon, qui est plutôt bien, tu vois. Et tu lui dis bonjour, elle fait bonjour, ça va? On va se jeter une canon? Non. Là, je t'ai dit non. Bah, fous-moi le compte, t'es une merde. Je plaisante, évidemment. Mais ouais, voilà, j'ai du mal. Mais l'accent québécois, par contre, chez une femme. Ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, s'il y a des Québécoises qui me regardent, venez chez moi. Venez chez moi et on peut, tu peux être ma femme, si tu veux. Donc voilà. Et puis, Uri Geek, voilà, que j'ai découvert aussi. Un mec qui nous suit et qui a commencé à faire des vidéos avec son pote Benko. Banco, il l'appelle Banco. Et bah voilà, ils ont un humour de ouf. Je les adore. Franchement, c'est des mecs au top. Et ils me font délirer. Ils sont vraiment trop cool. La caméra a coupé, hein. Donc je suis obligé de refaire un petit rush là de 20 minutes pour continuer la vidéo. Donc on est le 10, on est le premier là, on est le 10 janvier. Je dis putain. Bon, la caméra a coupé les gars, on est le 10 janvier. Voilà, je vous fais la vidéo là, je viens de prendre ma douche, donc si j'ai une gueule de con, bon. Voilà. Voilà. Alors, donc je parlais d'Uri Geek, voilà, donc très cool. Uri Geek, enfin, un mec, des mecs comme As, parce que du coup, est-ce que on compte Banco avec, je ne sais pas. Voilà, donc vous êtes cool les mecs. Des pommes. Voilà. Ensuite, du coup, pour les découvertes, évidemment, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler d'une des meilleures découvertes que j'ai faites cette année. Ah, il y en a plein des meilleurs, hein, mais là j'avoue que. C'est moi qui fais ça Bonjour à tous, et donc les messieurs Citronel. Voilà, les messieurs Citronel, les messieurs Citronel. Alors au début, on m'en avait parlé, je crois que c'est Stas qui m'en avait parlé. J'avais vu une vidéo de Grand Zeroes, puis j'avais pas tellement fait attention, enfin il matait ça avec DG, puis j'avais pas tellement regardé, enfin je me dis ouais bon. Et en fait, vous m'en avez beaucoup parlé, il y a même des gens qui m'ont dit, on parle de toi sur leur forum, je sais pas quoi, ouais, d'accord. Et un jour j'ai vu un commentaire des Monsieur Citroën justement, sur une de mes vidéos, alors je sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était Resident Evil, le walkthrough de Resident Evil, alors le 2 ou le premier, je ne sais plus. Et du coup, je me suis dit, bon,
D'accord. Et puis un jour, ils sont arrivés sur mon live, et puis, d'accord, ils ont commencé à, bah, être, à pas être des connards, quoi, à être cool. Enfin, je me dis, bon, on va aller voir ce qu'ils font quand même, parce que bon, ils ont quand même beaucoup d'abonnés, etc. Quoi. Donc, moi, je dis, ouais, je vais checker, quoi. Et puis, bah, j'ai kiffé Mars, hein, voilà, donc je mate à peu près depuis un petit mois, quoi, environ. Et c'est énorme, j'ai maté trop de vidéos, du coup. Je rattrape tout mon retard, hein, c'est pas évident, mais... Voilà, et bah du coup ça défonce. Une des meilleures vidéos pour moi, alors j'ai pas tout maté évidemment, j'ai bien kiffé celle de Clock Tower 3, vraiment cool. Et les meilleures pour moi c'est le Best of Dark Souls, alors je sais plus si c'est le 2 je crois bien que c'est le 2. Je sais plus, le Best of où Titi le lendemain il a oublié d'aller faire son examen, là putain ça m'a tellement fait marrer, et Trackmania quoi. Trackmania les gars, putain mais c'est du pain béni ces vidéos quoi. Les deux vidéos de Trackmania zapping là, putain mais les gars, ah, mais je me suis jamais autant marré devant une vidéo quoi. Voilà, donc j'ai vraiment trop kiffé et donc ces mecs là ils défoncent. J'ai maté aussi les aventures de Dieudo, là je sais pas quoi, j'ai kiffé ma race. Quand ils arrivent à la fin ils font ouais là il y a Soral qui était là depuis le début, qui savait tout et tout. Bah ça m'a fait kiffer. Donc les mecs vous êtes des gros tarés, hein, des vrais gros tas de connards, mais je vous kiffe, voilà, vous êtes des connards que j'aime bien, tu vois. Donc voilà, zi messieurs citronnelle, et en plus, donc comme j'ai pu le voir, vous êtes apparemment de Paris, donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on se fasse un petit truc ensemble et tout, n'hésitez pas, je suis disponible, hein. Alors ça dépend quand, hein. Et puis ça dépend pour quel genre de truc, si c'est pour me ranger des bras dans le cul, non, ça je veux pas, mais voilà, en tout cas, messieurs citronnelle, putain de découverte et vous êtes des gros tarés, vous êtes géniaux. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai terminé. Alors le futur de la chaîne, voilà, c'est là où je voulais en venir. Ouais, finalement, ce rush sera assez rapide parce que bon, le futur de la chaîne, je vais essayer de faire un peu moins de vidéos du coup parce que bah, il faut que je taffe comme un ouf là. Ce second semestre, ça va être chaud, donc il faut que je taffe et j'ai mon boulot à côté donc. Il y aura toujours des vidéos, vous inquiétez pas, mais le rythme sera moins... voilà, j'essaie d'en faire une par semaine. Et c'est pas sûr que ça passe une par semaine, je sais pas, enfin, on verra bien. L'idéal, en tout cas, c'est de faire le walkthrough Ocarina of Time en entier. Donc, je pense qu'il y aura régulièrement quand même des vidéos, parce que le walkthrough, évidemment, je tourne plusieurs épisodes en une fois. Donc après, à monter, c'est assez rapide, et puis à mettre en ligne, quoi, donc ça va vite. Donc voilà, mais sinon, les gros projets et trucs comme ça, je pourrais pas, j'ai pas le temps. Si de raconte, bah pour l'instant ça stagne, je vais continuer, hein, mais je sais pas quand, et faut que tout revienne, mais là pour l'instant je peux pas du tout. Et du coup, par contre, je vais faire beaucoup de lives sur plein de jeux sur PS4. Donc soyez présents, les lives, voilà, abonnez-vous à la chaîne Twitch, si c'est toujours pas fait, si dans live, maniez-vous le fion, parce que... vous cassez les couilles. Donc si dans live, il faut venir. Hier j'ai fait un live, on était un peu 52 à peu près, ou 51 dans les plus grands nombres. Donc il faut plus de gens. Il faut être au moins 3 milliards à peu près. Donc maniez-vous de vous abonner à cette putain de chaîne. Projet court métrage. Ah oui, voilà. Donc ça, je vais en parler dans une vidéo spéciale justement sur ce projet-là pour bien expliquer tout ça. Là je vais en parler vite fait s'il y a déjà des gens motivés et tout. Alors je sais pas si vous avez vu le film ABC of Death. En gros ça réunit 26 réalisateurs donc, sur toute la planète qui ont chacun une lettre de l'alphabet. Donc au final on a les 26 lettres. Et ils doivent réaliser un court métrage de 3-4 minutes sur le thème de la mort avec cette lettre. Avec le titre du court métrage qui commencera par cette lettre. Voilà. Et donc ça fait un espèce de melting pot de plein de styles différents, de plein d'œuvres vraiment complètement qui vont pas ensemble, mais au final il y a une certaine continuité dans ce délire d'ABCDR quoi. Et donc j'ai trouvé ces trois films, parce qu'ils en ont fait trois, vraiment énormissimes. Je vous invite à les voir d'ailleurs, ils sont disponibles sur internet. Et donc je me suis dit que ça serait cool de faire ça sur YouTube avec des youtubeurs que j'aime bien ou qui m'apprécient. Réunir des gens, donc 26 personnes qui font du bon taf. Attention, je veux pas. Si vous êtes intéressé par le projet, il faut me contacter. Donc, ça, je vous filerai l'adresse mail après. Attention. Petite dédicace à Monsieur V. Voilà. Attention,
Attention, voilà. Je sais juste imiter ça. Donc, voilà. Et Titi, bon, je pourrais me mettre du pastaga sur la gueule, mais bon, je viens de me laver et m'habiller. Et puis le pastis, c'est sacré, je veux pas non plus le jeter par les fenêtres. Enfin, bref, ça va ouais. Est-ce que tu suces des bites ou pas? Tu suces pas de bites? D'accord. Donc t'es pas pédé en fait? Ah si, t'es pédé, d'accord. Donc tu peux m'enculer. Allez, tu m'encules. Ouais. Ce court-métrage, du coup, ce sera un court-métrage, un projet de YouTuber. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes motivé. Alors, le projet, c'est donc chacun aura une lettre et devra réaliser un petit court-métrage de 3-4 minutes, voilà. Sur le thème des jeux vidéo. Voilà. Donc, il devra avoir une lettre. Et avec cette lettre, il devra prendre un nom, un titre de jeu vidéo qui lui tient à cœur et faire un court-métrage autour de ce jeu vidéo-là. Voilà. Alors, évidemment, pas de vidéo test, à moins que ce soit scénarisé et que, voilà, on voit quand même le gars qui fait des trucs. Enfin, voilà, je veux pas un vidéo test de 3 minutes en disant « Alors, le jeu est pas mal » ou en faisant des vannes de merde. Non, c'est pas ça que je demande. C'est vraiment un court-métrage. Je veux un projet artistique, les mecs. Alors, tous les modes sont disponibles, hein. Tous les modes sont disponibles. Ça n'a aucun sens de dire ça. Mais quelque part, c'est un peu le délire jeu vidéo. Donc tous les modes sont disponibles. Vous pouvez très bien prendre le mode, dessin animé, animation, si vous êtes fort en animation. Animation 3D, vous pouvez faire du court-métrage simple. Vous pouvez faire des effets spéciaux. Vous pouvez faire du motion design. Donc ça, c'est un petit peu le 3D. Donc c'est un peu dans le même délire. Ça peut être abstrait, hein, évidemment. Vous pouvez faire ça sur, par exemple, du stop motion. Ben, voilà, il y a plein de trucs possibles à faire. Autour de ce truc là. Donc imaginons que vous avez par exemple la lettre J, voilà. Vous allez prendre Judge Dredd, le jeu vidéo, tu vois. Voilà. Ah, bon. Après là c'est tiré d'un film, donc c'est pas un très bon exemple. Bon, par exemple vous avez la lettre S, vous allez prendre Super Metroid. Voilà. Vous voyez le délire. Et donc à vous de constituer votre délire autour de ça. Alors évidemment je referai une autre vidéo vraiment uniquement sur ce projet pour vous présenter tout ça. Et pour vous inviter évidemment à vous inscrire et à m'envoyer vos candidatures, entre guillemets, hein, c'est pas non plus. Vous n'avez pas de payer, hein, c'est pas un truc d'emploi. Hein, on n'est pas chez Pôle emploi, les mecs, hein, non plus. Mais voilà, si ça vous fait kiffer, si vous aimez bien réaliser des petits films, des petits clips, des machins, envoyez-moi ce que vous faites, votre chaîne ou des vidéos que vous avez faites. Et voilà, et dites-moi ce que vous aimeriez faire. C'est quoi votre style à vous, machin. Envoyez-moi ça donc par mail, juliencide@gmail.com, voilà, c'est écrit. Uniquement par mail, les mecs, je veux pas de messages sur YouTube, sur Facebook, machin. Mail, histoire que je puisse tout gérer. De toute façon, je vous ferai une plus grosse vidéo plus tard là-dessus. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc voilà, évidemment, ça s'annonce à tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. Encore une fois, c'est artistique, je veux quelque chose de... Je veux au final un résultat assez... Un résultat quand même assez stylé, hein, un truc de qualité. Donc si vous faites des vidéos avec votre webcam, vous filmez votre écran avec un son dégueulasse et tout, les mecs, ne m'envoyez pas vos candidatures. Parce que c'est pas ce que je recherche dans Zélire. Je veux vraiment un truc vraiment super clean, pro, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer tout ça. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Donc la suite d'Ocarina of Time, là on doit être samedi soir, voire dimanche pour vous. La suite d'Ocarina of Time arrivera dans la semaine. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous dire à très bientôt. Et puis voilà, advienne que pourra, comme on dit. Allez, ciao.